une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve, j'ai pas fait mes cheveux parce que je veux tester avec... Excusez-moi, j'ai le hoquet. J'ai jamais le hoquet et quand je veux filmer une vidéo, j'ai tout le temps le hoquet. Enfin tout le temps. Ça m'est déjà arrivé deux fois. Excusez-moi. Mais j'ai jamais le hoquet. Et ça fait deux fois que je veux filmer une vidéo et que j'ai le hoquet. Je suis vraiment désolée. Enfin bref, aujourd'hui, donc j'ai pas encore fait mes cheveux parce que je vais tester le Steampod avec vous. Enfin, je l'ai déjà testé. Mais je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Parce que moi, c'est vrai qu'au début, quand je l'ai reçu, j'étais un peu perdue parce que c'est pas un lisseur comme les autres. Enfin, chaque lisseur a son mode d'emploi et celui-là est un peu plus particulier. Donc je voulais le faire avec vous. Donc j'ai reçu le Steampod de R10. En fait j'ai fait un concours sur Instagram et je l'ai gagné tout simplement. Et je pense que si je l'aurais testé un jour chez quelqu'un ou quoi, d'office, malgré son prix, je pense que c'est presque 200 € le Steampod, ou c'est 200 €, je sais plus trop. Je vous mettrai en barre d'infos parce que je sais plus du tout. Mais je pense que si j'aurais testé chez quelqu'un ou quoi le Steampod, j'aurais d'office acheté malgré le prix parce que ça change la vie comparé à un lisseur normal. Enfin, lisseur normal, ouais. donc je l'ai reçu dans cette boîte-ci, c'est énorme. Ce que vous avez, donc, c'est le petit récipient ici où vous devez mettre de l'eau déminéralisée, pas de l'eau du robinet parce qu'il y a trop de calcaire, donc ça risque de boucher tout. Donc de l'eau déminéralisée. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des ventouses en dessous. Donc vous le mettez sur une table ou quoi et ça bouge plus. Donc il ne faut pas, stresser ou quoi pour le faire tomber. Ça ne bougera pas. Alors le Steampod ressemble à ceci. Je le trouve super beau. Je vais l'allumer. Et vous allez voir, ça prend... Ça s'allume ici. Et ça va hyper vite pour chauffer. Donc là j'ai mis à 210 degrés, c'est le maximum. C'est ce qu'il faut pour mes cheveux. Je vais déjà brosser mes cheveux en attendant. Je voulais vraiment le montrer en vidéo parce que franchement, moi qui ai les cheveux bouclés, bon là ça va parce que j'ai lavé mes cheveux hier soir, mais je les ai séchés au sèche-cheveux, donc ils sont pas bouclés. Mais quand je les laisse sécher à l'air libre, c'est vraiment des boucles quoi. Donc je vais déjà les attacher. Ah bah mon hoquet est parti. Voilà, j'espère que la vidéo ça ira, je suis pas trop haute. Hop, donc normalement ça sera bientôt fini. Je laisse vraiment le temps, je ne vais pas faire... avancer la vidéo ou quoi, je vais vraiment laisser le temps. Comme ça vous voyez vraiment combien de temps ça prend pour que ça s'allume. Enfin pour que ça soit prêt quoi. Je sais pas si vous entendez. Ça c'est la machine, le petit récipient avec l'eau. Et quand c'est prêt, vous allez voir. J'ai plus le hoquet quoi. C'est à chaque fois que je commence la vidéo que le hoquet part. C'est vraiment spécial. Il va plus vite, c'est quoi ce cinéma? Après dans cette pièce-ci il fait très très froid. Donc est-ce que c'est ça qui a plus de mal à chauffer? Je sais pas, mais moi je caille. Ah voilà. Je sais pas si vous voyez la vapeur. Voilà, maintenant c'est prêt et je peux commencer. Donc ce que vous voyez ici, il y a deux flèches. Et en fait les flèches vous indiquent comment l'utiliser. Donc par exemple ce côté-ci, j'ai eu un peu de mal au début parce que je comprenais pas trop. Ce côté-ci, donc les flèches vont vers le bas, il faut vraiment mettre, enfin aller vers le bas. Il faut suivre vraiment le sens des flèches. Je sais pas si vous voyez la vapeur. Vraiment le bruit comme un truc à repasser. Bon, moi je passe que une fois sur chaque mèche et c'est suffisant. Alors que mon autre lisseur sans vapeur, enfin, il y avait un truc de vapeur, mais j'ai jamais osé l'utiliser en fait. C'est Babyliss, un rouge.
Donc vous voyez là, la lumière est vers le haut parce que je fais vraiment en fonction des flèches. Bon, bien sûr, je vais pas vous faire tous mes cheveux. Je vais faire un petit accéléré parce que sinon c'est pas chouette. Aussi, bon, vous voyez mes pointes sont abîmées et du coup le Steampod lisse quand même les pointes abîmées, chose que les autres lisseurs, en tout cas les miens, ne fonctionnaient pas. Ça lissait pas du tout le bas, enfin les pointes abîmées. Le Steampod, ça lisse les pointes abîmées, par contre on sent que ça accroche et qu'il a du mal à passer. Donc quand ça a du mal à passer, c'est que les cheveux sont abîmés et que il est temps de couper les pointes. Là vous voyez, ça coince vraiment au bout de mes cheveux parce que mes pointes, bah, ils sont blonds, ils ont complètement été bousillés. Ceux qui sont là depuis un petit moment savent, j'avais fait une vidéo sur les cheveux qu'on avait bousillés. Donc voilà, là c'est vraiment abîmé, mais il va quand même le lisser, c'est juste plus difficile à passer. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je coupe mes cheveux samedi, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo maintenant, tant qu'ils sont encore longs. Parce que je crois que je vais couper mes cheveux au moins comme ça. Comme ça, comme ça. Je sais pas trop, on verra. Donc voilà, ce côté-là c'est fait. Je vais refaire un petit truc ici parce que... c'est vraiment lisse et alors ils sont hyper souples, ils sont super brillants, je sais pas si vous voyez, je vais bouger un peu ma tête comme ça, je sais pas si vous voyez qu'ils sont brillants, mais ils sont tout doux, tout brillants, même ce qui est abîmé, on sent même pas que c'est abîmé parce que je sais pas, ce lisseur est magique, mes cheveux sont tout doux, tout brillants, ils sont lisses en un passage. Donc voilà, je vous ai prouvé que le Steampod était une pépite. Bon, je dis pas ça pour que vous l'achetez, hein, bien sûr. Je ne suis pas en collaboration ou autre avec L'Oréal. Mais je voulais vous faire cette vidéo parce que quand moi j'ai reçu ce Steampod, j'étais un peu perdue parce que je savais pas trop comment ça fonctionnait. Donc j'espère que si vous testez le Steampod ou que vous avez le Steampod, ça peut vous aider. Après, je suis pas coiffeuse non plus. J'ai appris par moi-même. Donc voilà. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est gratuit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.